Et ça qui servit de prétexte pour nous sortir, c'est le fait que nous voyons un papier qui a circulé et puis qui a un nom ouvert là-dedans, comme quoi OPL t'a gagné pour ta présent dans une espèce de gouvernement de Ariel Henry. Alors que nous-mêmes, nous n'avons aucune démarche de gouvernement avec Ariel Henry, que ce soit avant Jovenel Moïse de mourir, donc les Jovenel de fin nommé comme premier ministre de facto, et que ce soit après la mort Jovenel, dans le cadre et protocole d'accord et nous qualifié de sectaire d'exclusiviste, ici un vendredi dernier, qui t'a voulu faire sénateur Joseph Lambert, président provisoire, et qui t'a voulu récupérer Ariel Henry aussi comme premier ministre d'un gouvernement que nous pas contre qui gouvernement pour qui pays. Parce que après la mort de Jovenel, donc la gouvernance haïtienne, donc ça appartient à la société haïtienne, au peuple haïtien. Pas gagné personne monde dans pays là qui capable revendiquer que ou gain pouvoir dans main et ou pral former gouvernement ou pral partager pouvoir avec personne. Et notre position est claire. Donc le pouvoir aujourd'hui, c'est pas quelque chose à partager, c'est quelque chose et à organiser, donc pour pouvoir donner un minimum de résultats au peuple haïtien, à la société haïtienne, pour pouvoir donner un minimum de services au peuple haïtien qui fait longtemps la vivre dans situation, c'est comme s'il y a un dehors pays, c'est comme si donc haïtien pas de gain droit en Haïti par rapport à et régime PHTK avec Jovenel Moïse dans tête li et comme président, donc l'étape mené pays. Donc c'est vrai, nous pas te souhaité du tout que Jovenel Moïse te mouri, Jean Mouria, et nous pas souhaité li te mouri du tout. D'ailleurs nous était quoi que mon qui tue Jovenel yo pas rendre pays à aucun service. Parce que Jovenel Moïse, son aigle était tellement en affaire, donc il était supposé rester en vie, donc pour que il était capable de rendre compte devant la justice, l'élite pas dans le pouvoir encore. Donc, toute action qui retire l'envie, qui fait que pour ne pas expliquer à la justice, Zach il était posé. Et dans tel pays, nous croyons que ça va arranger à un. Mais, nous croyons que c'est le moment plus que jamais pour tout acteur politique, pour tout acteur dans la société civile qui était appelé pour un changement de système dans le pays, qui était appelé souhaité que gagner un gouvernement de transition de rupture qui prend place après Jovenel Moïse, y a un pouvoir. De transition coupé fâché, donc on a dit le mot, t'es toujours abétilé. Nous croyons que c'est le moment qui arrive aujourd'hui. Donc, nous ne sommes pas capables de gagner une crise aussi majeure, une situation aussi compliquée. Et puis, on est là pour gagner des gens qui mettent dans la tête, pas d'app, dans le cadre, une petite solution pour les piécer. Ok? Sans pas gagner participation les différents secteurs de la vie nationale là-dedans, ils vont le mettre président provisoire, ils vont le mettre premier ministre, ils vont le former gouvernement. Donc, nous pas quoi ces démarches. Ça qui a pépoté solution pour le problème haïtien. D'autant que gagner une situation qui est plus importante pour nous éviter. Faut ne pas oublier que crise totale, crise majeure, ça, que nous avons vu là dans le qui met le pays à qui fait pays à fait bac net, tous les indicateurs sont en rouge. Pas gagné aucun progrès qui fait en Haïti depuis plus de 4-5 ans. Donc, c'est résultat de mauvaises élections. Et si, dernière élection qui est faite en Haïti, élection 2015-2016, il y a ça comme résultat. Donc, quelle que soit l'autre élection qui pour fait en Haïti là, faut nous dégager nous pour nous faire mise en place qui pour garantir nous de meilleures élections
pour que après les prochaines élections, le pays n'a pas retourné encore dans une crise qui est beaucoup plus majeure, dans une crise qui est beaucoup plus totale que ça nous connaît avec PHTK, avec Jovenel Moïse. Mais entre-temps, les situations ont toujours été bloquées. Le terrain, jeudi, a été supposé pour un conseil civil, a été annoncé à différents acteurs, et qui semblait qu'il n'est pas fait. Mais qu'on y a là, entre-temps, Claude Joseph a valé le terrain. Bon, pour rencontre, initiative des acteurs de la société civile, et avec support beaucoup d'acteurs politiques, pour ça nous connaît, qui était prévoir, jeudi, à la priorité ouvrir une conférence politique et sous crise haïtienne, objectif là c'est déboucher sur un accord inclusif. Nous apprenons que les reporter pour samedi. Nous-mêmes nous attendons de pied ferme que conférence politique ça, donc entre les acteurs haïtiens, donc les capables d'ouvrir et c'est là-dedans qu'on a participé. C'est dans la balance ça que nous, comme parti politique avant-gardiste, nous avons mis trois nous. Que nous sommes ensemble avec d'autres acteurs de la vie nationale, les différents secteurs. Donc, comment nous sommes capables de joindre un accord largement large. Ça veut dire qu'il y a une participation différents secteurs dans la vie nationale. Là. Et là, nous parler de différents secteurs. Nous voulons, normalement, pour la société, sous-prendre les organisations de droits humains. Nous n'avons pas une solution sans eux. Le secteur patronal, secteur privé des affaires, nous n'avons pas une solution sans eux. Même secteur syndical et secteur jeunesse, donc les organisations Petro Challenger, les organisations de femmes et les organisations paysannes, les cultes réformés, donc, et disons, secteur religieux, donc l'Église catholique, l'Église protestante, secteur vaudou, ok, et y compris, ok, le dernier tiers du Sénat qui est en fonction, nous pas ouais, une solution sérieuse, nous croyons que y a un rôle, nous sommes capables de jouer dans la discussion qui pour mener nous dans un accord et inclusif, et y compris et les représentants du pouvoir judiciaire pour ce qui et reste du pouvoir judiciaire. Moi, la communauté internationale a renouvelé confiance dans Claude Joseph, je même parlé de l'élection, bien rencontre qui fait avec AIP. Bon, pour la communauté internationale, là, même, ça n'a pas étonné nous du tout, parce que nous connaissons que la crise nous plonge là-dedans. Là. Bon, même la mort de Jovenel Moïse, nous ne croyons pas du tout que Jovenel Moïse mourit sans implication communauté internationale là. Parce que si on n'a pas participé dans la planification assassinat, mais au moins, il a été réuni condition pour te conduire Jovenel Moïse à l'assassinat. Donc, pour le pays globalement, donc, nous croyons que crise majeure ça nous a vivre là, communauté internationale là, il pour beaucoup la dernière. Parce que l'entêtement que vous avez gagné derrière Jovenel Moïse, et Jean-Yotap Kembe PHTK au pouvoir, ça veut dire pour mener le pays à n'importe comment, même si donc c'est au détriment de la volonté du peuple haïtien, de tous les secteurs de la vie nationale qui étaient toujours contestés et régime là, qui étaient toujours contestés Jovenel Moïse avec mode de gestion que le tap fait dans le pays. Donc, il y a même une implication là-dedans. Je vous dis à la réponse non plus même. Donc, c'est que nous pas gagné pour nous à pété courir parce que l'international a bien pression. Nous gagnons le temps pour nous prendre le temps qu'il faut pour nous capables de réfléchir, pour nous capables de discuter entre nous, haïtiens, donc pour nous capables de jouer une formule de sortie de crise, nous, et que l'international a lui-même comme témoin, les gagnants pour lui et courber et devant lui. Donc, c'est pas l'international là qui peut dire nous exactement ça pour nous faire jeudi là. Parce que les plus travail pour mettre nous dans la crise, les yeux nous assez ouverts aujourd'hui pour nous connaître que la vraie solution c'est entre nous-mêmes pour nous joindre. Parallèlement, nous avons un pile crime qui fait tant dans le pays. Donc, l'enquête a commencé, il va jamais aboutir. Est-ce que nous-mêmes dans l'OPL, nous croyons que le crime ça qui fait là, capable de lumière qui fait pour nous connaître responsable, comment nous sommes qui prennent vue nous par rapport à l'enquête? Est-ce que son enquête tout qui va faire même ou dans l'autre, il va jamais aboutir? Bon, le crime qui fait sous Jovenel Moïse, là, c'est un crime en plus. À la seule différence que c'est un président qui était en fonction, même si c'est de fait, c'est un président qui a assassiné.
D'accord? Nous croyons que tel que système judiciaire là, lié là, n'est pas en mesure pour bailler ni ensemble de monde qui était assassiné avant Jovenel Moïse justice, n'est pas en mesure pour rendre ni Jovenel Moïse justice. Mais cependant, nous pensons que c'est un moment qui arrivait. Donc ça veut dire pour situation lui-même li éclater dans les monde qui t'a géré système là qui t'a géré stade quoi nous pas croire que il a cap contrôler nous pas croire que et personne a capable empêcher dossier assassinat Jovenel Moïse là lui-même lui fait chemin li pour jusqu'à ce que la vérité blaye sur et nous-mêmes nous croire que c'est pas seulement assassinat Jovenel Moïse là qui pour gagner la vérité qui blaye sur lui, c'est pas seulement Jovenel Moïse qui pour joindre justice. Tout le monde qui était mouru pendant Jovenel Moïse, les mêmes étapes et mal dirigé pays, il y a un droit à la justice aussi. Mettre Montferrier Doval, il y a un droit à la justice. Donc, Grégory Saint-Hilaire, il y a un droit à la justice. Evelyne Sincère, il y a un droit à la justice. Et ensemble de monde, il y a massacré la Saligno. Yo te massacré Carrefour Feuille, yo te massacré Tokyo Cité Soleil, yo gen droit à la justice. Nous pensons que c'est un moment qui arrive pour pays à capable souk école et souk école ça, li pa ka fait l'autre gens que nan privilégier yon dialogue national entre tout secteur, OK? Nan vie nationale là pour nous joindre un vrai accord qui pour définir qui mode de gouvernement, qui mode de pouvoir que nous allons mettre dans cette pays, qui pour gérer le pays, qui pour permettre institutions de fonctionner, qui pour libérer la police et qui pour libérer la justice et pour sécurité capable d'établir dans le pays et pour justice sociale là, libre dans ces faits. C'est responsabilité nous pour nous retirer peuple la population dans la confusion ça. Pas gagner deux premiers ministres dans le pays et nous-mêmes nous n'avons pas un premier ministre du tout. OK? Il y a une vacance totale dans ce pays. Il y a une vacance présidentielle après la mort de Jovenel Moïse, que le mandat était fini depuis 7 février 2021, mais qui était accroché au pouvoir. Et il y a une vacance aussi au niveau du gouvernement, parce que M. Claude Joseph, lui-même, qui pensait lui qu'à remplacer Jovenel Moïse là, à travers un coup d'État, M. pas premier ministre. Premièrement, monsieur, si on est qui est ministre d'un gouvernement de facto démissionnaire, le gouvernement de Joseph Jout, qui gagnait près de 3 mois là depuis l'y démissionner. Jovenel était nommé comme premier ministre à avant Jovenel mourir, l'y remplacer monsieur par un autre premier ministre de facto avec une arrêté, à la personne de Ariel Henry. Ariel Henry, bon côté pâle, l'hypo côté prend fonction, l'hypo côté installé. Maintenant, Jovenel, qui était seul net à bord, il n'est plus, eh bien, ces deux premiers ministres-là, entre guillemets, ne tiennent plus. Voilà pourquoi nous disons que le pouvoir aujourd'hui appartient à la société haïtienne, appartient au peuple haïtien. Quand c'est la situation s'annouillée, constitution, lui-même n'a pas gagné aucune provision légal pour dire que c'est tel monde qui gagne titre, qui gagne légitimité, qui est capable de mener la question, eh bien, c'est dialogue qui peut faire, c'est concertation qui peut faire entre nous pour nous sortir, lundi nous, on voulait parler des acteurs politiques, des acteurs de la société civile, donc pour nous capables de joindre une solution, un accord pour définir un mode de gouvernance pour le pays. Mais comme de fait, Claude Joseph, c'est le qui a l'État actuellement en main. Donc, c'est le qui a managé tout le bagage. Donc, est-ce que nous-mêmes, nous avons une formule pour te permettre de faire ça? Eh bien, formule, là, pas l'autre bagage. Bon, Claude Joseph, s'il est assuré gestion et gouvernement, entre guillemets, et pour jusqu'à ce que il y a une solution qui est définie par l'ensemble des acteurs et de la société, donc, nous pas croyons que ça a tué la République, d'autant que l'été là déjà. Mais faut qu'il pas fait être libre, que lui-même, lui c'est premier ministre, lui c'est chef d'État, donc, lui comme quoi seul met à bord, l'a mené, et puis il va le faire élection. Question Claude Joseph.
qui a mis dans la tête, qui a continué à diriger Haïti pour faire l'élection. Ça, c'est une blague, ça, c'est une femme.